Des radis en deux façons. Des radis en deux façons. Cru donc et une tartelette. Oui, parfaitement. Alors cru pour la version tartelette avec la bouse, vous vous souvenez? Et avec la de la brousse. Avec de la bouse. J'ai compris la bouse, pardon. Non, de la brousse. La brousse, donc le fromage provençal qui se tient bien et qui est très gourmand, dans lequel j'ai ajouté de l'estragon et un petit peu de citron sur une petite pâte brisée. Et version le radis chaud, c'est excellent le radis chaud. Je trouve ça, je trouve que c'est extrêmement fin. Extrêmement raffiné. Je ne connaissais pas le radis chaud. Voilà. C'est une découverte, le radis chaud. C'est une découverte. Vive le radis chaud. T'as vu, Maya? Juste poêlé avec un petit peu de beurre. Bon. Donc d'abord blanchi, hein. Ensuite poêlé avec un petit peu de beurre. C'est très peu calorique, le radis. Il faut le consommer. En plus, c'est riche en potassium. C'est meilleur que cru. Tu trouves? Oui, c'est différent. Non, mais tu sais, Farida, ceux qui n'aiment pas les radis parce que ça pique un petit peu. L'amertume disparaît, ça disparaît complètement à la cuisson et c'est vraiment très bon. C'est une autre saveur beaucoup plus. Ta tartelette est excellente aussi. Ah oui. Hein. Moi, je me fais des goûters de tartines beurre salé et petits morceaux de radis au-dessus. Oh, t'es mignon. Quand est-ce que tu viens faire une recette avec moi? Quelle est la taille de la tartine, Gérard? La taille juste à proximité. Une baguette, comme d'habitude. Tartine, quoi. Allez, ton astuce avec des radis. Tu parlais de tartine. Je vais te tartiner une petite tartinade. D'ailleurs, j'ai préparé une petite tartinade à base de radis. Donc là, je vais vous préparer un tzatziki. Donc le radis, je l'ai nettoyé, je l'ai coupé en cubes et maintenant, je vais simplement le mixer avec, tac, donc le radis. Donc le tzatziki, d'habitude, c'est du concombre. Du concombre dans lequel on ajoute du yaourt grec avec un petit peu d'ail. Très bon d'ailleurs avec le concombre. Excellent. Très, très bon pour tartiner, faire du concombre. Fais-le avec du concombre. Mais c'est pas possible, ils sont infernales. Aujourd'hui, c'est du radis. Je vais vous le répéter dans combien de langues? C'est du radis. Aujourd'hui, c'est le printemps bientôt. Donc voilà. Donc on mixe l'échalote, le radis avec la crème et on obtient ce délicieux tzatziki de radis. Et tu vas être obligé d'en manger une cuillère. Il va pas s'en tirer comme ça. Toi aussi, d'ailleurs, une petite tartine de radis. Je ne dis jamais. Mais tu craches dessus. N'hésite pas à lui cracher dessus. Allez, merci Farida. Tu viens avec nous parce qu'on va répondre à vos cas pratiques. J'en ai dans les cheveux, c'est pas possible.